commençais à voir tout ce que je voulais. CD, fringues, argent, etc. Et au milieu de tout ça, moi je mourais d'ennui. Mais j'ai adoré ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça n'a plus aucun sens de vouloir être le plus beau ou la plus belle, celui ou celle qui a le plus de succès. Grâce à la vague, nous sommes tous égaux. L'origine, la religion ou le rang social ne sont plus déterminants en présent. Nous appartenons tous à un seul mouvement. Croire en la vague, c'est croire en un idéal. C'est retrouver des valeurs pour lesquelles on veut lutter. Avant, je jouais tout le temps les gros durs. Depuis une semaine, plus j'y repense, plus ça me paraît stupide. C'est tellement mieux de se mettre au service d'une cause juste. C'est en se serrant les coudes au sein du groupe qu'on obtient des résultats meilleurs. Je suis prêt à faire passer la communauté avant. Les extraits, ainsi que vous l'aurez remarqué, sont tirés des devoirs que vous avez rédigés hier sur ce que cette semaine vous a apporté. Apparemment, la vague vous a inspiré. C'est pourquoi je considère qu'il n'est pas souhaitable que le projet s'arrête. Qu'est-ce que tu fais, putain ? Marco, rassieds-toi. Attends, mais crois tout ce que tu veux. Viens de t'asseoir. Depuis des années, l'Allemagne brille. Nous sommes les grands perdants de la globalisation. Il faut produire toujours plus, nous serions les politiques. C'est soi-disant la seule issue à la crise. Mais les politiques ne sont que les marionnettes des grandes firmes. On nous raconte que le chômage est en baisse. Nous sommes champions du monde de l'exportation. Oui, mais la vérité, on la connaît. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent!
programme est présenté par Starpy Productions.